Direction maintenant l'Institut des métiers de l'artisanat de Villiers-le-Bel, en banlieue parisienne. Nos pâtissiers retrouvent le jury juste avant de découvrir le résultat de leurs 2 jours de formation. Chers pâtissiers, vous connaissez le principe. Dans ces 2 enveloppes figurent les noms des 2 pâtissiers jugés les moins convaincants par les chefs qui vous ont accueillis. Vous êtes 4. Dans quelques instants, 2 d'entre vous seront donc qualifiés pour la grande finale de la semaine prochaine. Pour les 2 autres, il n'y aura plus qu'une seule place à prendre. Ophélie et Adrien, vous étiez à Anglette, chez Thierry Bamas. Et pour le chef, le pâtissier le moins convaincant est... Ophélie. Ophélie, lors des 2 épreuves, elle avait du mal à être claire dans ses choix. Et bien souvent, ça se faisait au feeling. Le feeling, malheureusement, il arrive un moment où il y a des limites, où il faut quand même prendre une décision. Et quand la décision est prise, des fois, c'est un peu tard. Et ça a été un peu son cas. Je suis un petit peu surprise. Maintenant, je perds pas pied et je me dis qu'il y a une chance sur 2. Et ensuite, on verra. Il faut se défoncer pour aller jusqu'au bout. En tout cas, félicitations pour vous, Adrien, puisque vous êtes le premier qualifié de cette grande finale de la semaine prochaine. Merci beaucoup. Le fait d'être dans les 3 derniers sûrs, ouais, je suis super content, je suis super fier. Et puis espérons que ça continue et que je gagne ce concours. Je suis là pour ça. Jérémy et Gauthier, quant à vous, vous étiez à Paris dans la brigade de François Perret. Et pour le chef, le pâtissier le moins convaincant est... C'est Gauthier. Sur la formation de transformation de dessert à l'assiette version tea time, le dessert de Gauthier, pour moi, n'était pas à la hauteur de ce qu'il aurait pu, de ce qu'il aurait dû faire. Je ne me serais pas vu mettre son dessert au chariot. À 23 ans, avec mes 3 années d'expérience, déjà en arrivée à ce niveau de la compétition, pour moi, c'est presque une victoire. Mais j'aimerais bien y arriver à cette 3e place. Je vais essayer de prouver que par mon inspiration et ma passion, j'arrive à faire rêver le jury. Jérémy, bravo, félicitations, merci. Vous êtes le 2e qualifié pour cette grande finale. Forcément un gros soulagement, je suis content, je passe direct en finale, j'évite cette épreuve, donc c'est cool quoi, yes. En ce qui vous concerne, Ophélie et Gauthier, rien n'est joué. Vous allez avoir maintenant 2 épreuves pour tenter de vous qualifier pour cette grande finale. Après chacune des 2 épreuves, le jury va vous attribuer des points et celui qui aura cumulé le plus de points sera le 3e qualifié pour cette grande finale. Et le premier round de votre face-à-face va se jouer en équipe. Ophélie et Gauthier seront épaulés chacun par le pâtissier avec lequel ils étaient en formation. Les adversaires d'hier deviennent aujourd'hui des coéquipiers. C'est assez surprenant, mais bon, je pense que voilà, Adrien va faire office de commis dans cette épreuve. Bon, on va s'adapter, quoi. Je vais être avec Jérémy, cool. Et j'adore travailler en équipe, donc du coup, ça devrait plutôt bien se passer. Notre jury va noter votre travail et pourra vous attribuer jusqu'à 20 points sur cette première épreuve de face à face. Et c'est autour d'un ingrédient imposé que vous allez devoir travailler aujourd'hui. Petit indice, c'est l'un des fruits les plus consommés dans le monde. Est-ce que vous avez une idée? La pomme. Ouais, pareil. Pomme, poire ou banane. Banane. C'est le moment justement de découvrir ce qui se cache sous la cloche. Christophe Adam, je crois que c'est à vous l'honneur. Vous êtes prêts? Je peux juste dire que ça a plusieurs couleurs. Hey oh, la tomate. Hey, ouais. Quelle belle surprise! Donc la tomate à employer dans le domaine de la pâtisserie, c'est vrai que c'est... Waouh, j'ai jamais encore utilisé. En épreuve éliminatoire... Et là, c'est le moment où vous vous dites, heureusement qu'il y a encore le 2e tour pour vous sauver. Ophélie, t'as pas l'air contente. Hein. Non, je réalise pas en fait. Je cogite, je réalise pas. Je vais essayer de me servir de mes expériences passées et aussi de l'intuition du moment pour sortir quelque chose. On est face à un problème qu'on connaît peu. On a plus l'habitude de travailler la fraise, la framboise, la myrtille, la pomme, l'ananas et compagnie. Mais voilà, je trouve que c'est très intelligent et très intéressant. Et je pense qu'on a en plus 2 personnes qui ont l'habitude des palaces, du dessert à l'assiette. Et je pense qu'on va vraiment être agréablement surpris. Je pense que sur cette épreuve, on ne leur demande pas de rajouter des morceaux de tomate à une préparation courante. Là, on leur demande de la mettre en valeur, de la cuisiner, de la travailler.
Et j'attends plus qu'un morceau de fruit rajouté à une recette. En tout cas, maintenant, c'est à vous de jouer. Vous allez travailler par équipe. Vous allez avoir 2h30 pour réaliser un dessert à l'assiette à base de tomates. Et je vous rappelle que 20 points au total sont en jeu sur cette épreuve. Vous êtes prêts ? Prêts. 3, 2, 1, c'est parti. 2h30 seulement pour proposer au jury un dessert à base de tomates, c'est peu. Les deux équipes attaquent donc l'épreuve pied au plancher. Nos pâtissiers sont encore loin d'imaginer toutes les surprises qui les attendent aujourd'hui. Alors pour l'instant, la priorité, c'est de faire les bons choix de recettes. L'avantage de la tomate, c'est de voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre en termes de créativité. Est-ce qu'à un moment donné, avec un produit un peu incongru, un peu inattendu, est-ce qu'ils sont capables de puiser un peu dans leurs réserves? C'est ce qu'on attend d'eux, c'est de voir quel est leur imaginaire. Et je pense que la tomate, c'est juste un déclencheur. Même si Gauthier a déjà une idée précise de son dessert, il voit cette épreuve comme un vrai travail d'équipe. Toutes les suggestions sont bonnes à prendre. 3 quenelles de sorbet, tomates, un siphon, crème cheese. Ce serait pas mal. Mettre à des endroits stratégiques dans la dégustation comme ça, à chaque cuillère. Il faut qu'il y ait du sorbet, de la gelée. Voilà, on a tout à chaque cuillère. On a le temps, une petite écume, des petits trucs gulés. Mais à quoi l'écume? Une écume de basilic. Une écume de basilic. Les conseils sont la bienvenue, donc on échange. Mais c'est mon épreuve. J'ai pas envie que ça soit Jérémy qui fasse tout le boulot. Il est pas là pour ça. Lui, il a déjà sa place en finale. Voilà, c'est pas lui. C'est une grosse responsabilité qu'aider son collègue sur une épreuve. On a quand même la lourde tâche de lui donner un coup de main pour qu'il se qualifie. C'est un moment super important, en fait. Il faut pas se planter. Avant de se lancer dans leur préparation, les deux pâtissiers commencent par goûter les différentes variétés de tomates mises à leur disposition. Un excellent moyen d'utiliser, au mieux, les caractéristiques gustatives de chaque produit dans les recettes de leur dessert. Petite dégustation, cœur de bœuf est là. Et ensuite, donc, il manquait la jaune, et c'est bon, on aura toutes les variétés mises à disposition en tout cas. Ok, on goûte ça ? On a 5 sortes de tomates qui sont différentes, qui ont des goûts différents, donc on prend le temps de les goûter. C'est important puisque c'est un dessert qui, dans les grandes lignes, est à la tomate. Donc on doit avoir quelque chose de parfaitement équilibré en termes de goût. Et la cerise, elle est parfaite. Du coup, la gelée, on fait vert et jaune, non? Ouais, vert et jaune, allez. Et le sorbet? Tu veux que je fasse quoi? Le sorbet, prends les tomates cerises, un peu de cœur de bœuf, c'est mieux. Tomates cerises, au moins, on est sûr du goût. Le granité, je verrai. Ok, on est parti? Allez. C'est parti aussi pour Ophélie. La jeune femme est déterminée. Elle n'imagine pas une seconde échouer si près du but. Adrien, son brief, s'il te plaît. Yes. Vas-y. Donc, je vais faire 3 petits samosas, si tu veux, qui va être poêlé dans une huile d'olive vanille. Mmh. Aujourd'hui, Adrien se met totalement au service de la jeune femme. Si ça avait été moi qui étais en éliminatoire, je sais qu'Ophélie n'aura rien lâché pour moi et j'en suis sûr. Donc je vais me donner à 200% pour Ophélie, tout simplement. Ophélie, oui. Centrifuge. Le centrifuge. Je suis en train de réaliser un jus de tomates. Je vais mixer deux variétés de tomates. Tu es parti sur quelle variété? J'ai pris de la cœur de bœuf. Cœur parce de bœuf. Que c'est celle qui a quand même le plus de jus par sa grosseur. Et puis je vais prendre de la graine zébra aussi pour apporter un petit peu plus d'acidité. Et ensuite, je vais réaliser des petites tomates cocktail émondées. Je vais faire rôtir légèrement dans lequel je viendrai mettre mon sorbet. Avec ça, pour le côté croustillant et moelleux, il y aura des petits samosas. Donc façon de cuisiner. Pour le jury, l'essentiel, c'est de bien avoir un dessert dans l'assiette au terme des 2h30 d'épreuve. Et pour l'instant, les idées d'Ophélie laissent les chefs perplexes. Comment tu vas faire pour que justement il n'y ait pas d'ambiguïté entre une entrée et justement un dessert, sachant que c'est de la tomate? Tu vois, la frontière entre les deux est très mince. Très mince. Et donc c'est là où il faut effectivement, nous on s'attend évidemment à un dessert et il n'y a aucune ambiguïté possible. Au moment où il me dit ça, je tilte un petit peu. Mais pour moi, enfin entre guillemets, j'ai pas le temps non plus de repasser sur une autre démarche. Donc je vais sur ma première idée et on verra comment ça se passe. Ophélie campe sur ses positions, mais la jeune femme a tout intérêt à ne pas oublier le message des chefs. 30 minutes sont déjà écoulées et du côté de Gauthier, le rythme est soutenu. Ça va Gauthier? Alors tu nous fais quoi de beau là? On fait une gelée à l'eau de tomates, donc translucide au fond, d'accord, avec du goût. Je vais demander aussi des tomates vertes, jaunes, oranges, okay, des fraises confites. Dessus, on posera nos quenelles de sorbet tomates, des tubes de meringue, ouais, avec un peu de brisure de pignon de pain et de pistache. Un siphon de crème cheese à la poche. Tu sais quoi? Là, comme tu me l'as vendu,
Ça a l'air extraordinaire. Ça me fait saliver, ça m'a l'air extrêmement bon. Donc fais attention parce que le problème, ton problème en général, c'est le temps. Le temps, chef. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'était simple, efficace, puisque la moindre seconde est importante, la moindre minute. J'ai plus envie de me faire avoir sur le timing au niveau des épreuves. Non, c'est... C'est une dure expérience de ne pas pouvoir faire une belle finition au niveau de ses assiettes et pas pouvoir se reprendre sur une recette. Bon courage. Merci beaucoup. C'est bon, ça je mets au four, à confire. Ophélie, elle, a été déstabilisée par le passage du jury. Pourtant, la jeune femme doit se ressaisir au plus vite pour garder toutes ses chances d'accéder à la finale. À ses côtés, Adrien s'efforce d'être un coéquipier exemplaire. J'ai moins le stress qu'elle, c'est sûr. J'essaye de faire en sorte que ça se passe bien. Je ne vais pas faire le gros stressé pour en rajouter. J'essaye d'être serein sur cette épreuve-là et d'avancer de façon efficace. Je vais tout donner. Comme si c'était ma place, je lâche rien. Les petites tomates, Ophélie. Ouais. Est-ce que tu veux que je les fasse rôtir un tout petit peu dans du sucre avant de les mettre au four, ouais, ou alors tu veux les faire après? C'est quoi moi, je ce qui serait peut-être mieux, c'est peut-être... Avant. Ouais, je pense aussi. Moi aussi, je pense. Huile de vanille et un petit peu de sucre. Ouais. C'est ça? Ouais, ouais. Donc là, je suis en train de caraméliser légèrement les petites tomates cerises que j'ai amondées, vidées. Là, je vais les refaire revenir un tout petit peu dans l'huile de vanille avec un petit peu de sucre pour juste les donner un petit goût, les caraméliser légèrement. Tu les veux plus ou juste comme ça, ça suffit? Non, c'est bon, parce qu'après, elles vont pas tenir. Je vais les éponger et les mettre à cuire au four. Et après, on va vite les faire refroidir parce que Philippe veut s'en servir comme support pour mettre un sorbet dedans. Il faut surtout pas que ce soit chaud. Il reste encore plus d'une heure et 45 minutes d'épreuve. Nos pâtissiers ne le savent pas, mais dans quelques minutes, la situation va se compliquer encore un peu plus. Pour l'instant, Jérémy est concentré sur l'élément principal du dessert de Gauthier, la réalisation d'une eau de tomate. Après avoir mixé des tomates Green Zebra et des tomates jaunes, le pâtissier fait chauffer la pulpe à feu doux. On veut la tomate, mais transparente. Donc là, avec l'écumoire, délicatement, on vient retirer le dessus de façon à avoir que l'eau de tomate. Une fois que cette opération est terminée, je vais utiliser un petit chinois. Je l'habille de papier essuie-tout de façon à être sûr de vraiment retirer toutes les impuretés de l'eau de tomate. Et après cette opération-là, je vais avoir un jus qui est complètement transparent avec un super goût de tomate, quoi. Tu vas attraper une cuillère, tu vas venir goûter la tomate, là, voir si ça te plaît, s'il y a assez de sucre pour toi. C'est ça, là, je l'ai alors. Elle est belle, elle est très belle. Là, il y a un peu de sucre au fond. Il y a 10 grammes de sucre, là. On est bien, là. On a bon goût de tomate. Donc ça va être très bien. C'est parfait. Ok. Je me bats comme si c'était ma propre place. J'ai pas envie que Gauthier se fasse éliminer, donc je suis dans le même bateau, quoi. De son côté, Ophélie a retrouvé un peu son calme. La jeune femme prépare maintenant un biscuit moelleux aux amandes et citron jaune. Là, je suis en train de faire mon biscuit moelleux amandes citron. C'est ce qui va venir en fait dans mes petits samosas tomates. Donc c'est pour apporter un moelleux au dessert. Et je vais l'imbiber légèrement de jus de tomate aussi avant de refermer mes petits samosas et de les poêler. Je suis au bord de la finale, on est 4, il en restera plus que 3. C'est une des deux épreuves qui nous attendent, donc j'ai envie de rien lâcher. En face, pas question non plus pour Gauthier et Jérémy de relâcher la pression. Pendant que Gauthier prépare une crème légère à base de cream cheese, Jérémy, lui, réalise le granité tomate, un élément givré qui apportera de la fraîcheur au dessert. Après avoir passé des tomates au mixeur, le pâtissier filtre le jus. Donc le granité, c'est pas vraiment de la glace puisque ça a une texture qui est pailletée. En gros, il y a beaucoup d'eau, peu de sucre. Ça va nous donner un goût intense en tomate et en même temps, c'est quelque chose qui croustille sous la dent. Contrairement à une glace où c'est plutôt une texture crémeuse et glacée. Adrien, Ophélie, Jérémy, Gauthier, il vous reste 1h30 oui. Pour terminer votre dessert à l'assiette à base de tomates. Oui. Même si le temps file à grande vitesse, les deux équipes sont dans le rythme. Oui, mais voilà, toute cette belle organisation est sur le point de s'effondrer. Chers pâtissiers, je vais vous demander juste 30 secondes d'attention, s'il vous plaît. Les règles vont légèrement changer. Voilà. Non. Et c'est maintenant à Adrien et Jérémy que je m'adresse. Vous allez continuer à être solidaires, mais en échangeant vos places. C'est la grosse surprise, je m'y attendais pas du tout. À cette annonce même, j'étais déjà déconnecté, j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais dire à Adrien, attends, je regarde vite un coup sur Jérémy, où il en était.
Il faut qu'il la coule dans les assiettes, d'accord? Ouais, ouais. D'accord, d'accord. Ça, c'est le pour la vinaigrette. Et regarde. Ça, c'est pour la... Ça, c'est le granité. Il manque juste à ajouter le zeste de citron haché finement. Ça m'embête de perdre Jérémy, qui était bien. J'espère qu'Adrien sera aussi bien. Voilà, et c'est dur de reprendre un travail qui a été entamé. Ça fait un travail en plus. Ah, mon petit Gauthier, vas-y, explique. Allez, viens. Là, ça, c'est un granité. Il faut juste hacher ça finement, l'intégrer dedans, plus une feuille de gélatine. D'accord. D'accord. Ok. Ça, ça sera le gelée pour les assiettes. Je vais la couler derrière, d'accord. Ouais. Déjà, fais ça. Tu mets tout ça à moins 40 vite fait pour pouvoir vite qu'ils prennent le granité. Moi, Ophélie, je t'écoute. Tu veux que je fasse quoi? Dis-moi où il en était et sur quoi il faut que je switch, quoi. Le plus dur, c'est peut-être d'essayer de vite percuter, de vite comprendre sur ce qui est en train de se passer, ce qu'elle est en train de faire. Vas-y, elle est où, la recette? J'arrive. Ah ouais, c'est la merde, ça. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu en panique. Les petites tomates, je sais pas de quelle texture tu les veux. Il faut juste que tu check avec moi. Ouais, j'arrive. Je vais écouter au maximum et puis je vais essayer de la soulager, quoi. Regarde, Ophélie. J'arrive. Attends. Il est où le colorant vert? Je sais pas trop la texture que tu souhaites. Alors, Ophélie. Oui. Ce petit changement de règle. Oui. Comment vous vivez? Formidable, petit changement de règle. Faut s'adapter. Voilà, c'est à la condition du concours et tout va bien. Jérémy, vous dites tout à l'heure que Gauthier en fait remporte cette épreuve. Alors comment vous allez faire maintenant? Vous avez changé d'avis? Non, j'ai pas forcément changé d'avis. Maintenant, je suis avec Ophélie, donc je vais donner le maximum comme c'est moi qui faisais le dessert. Après, on verra les résultats du jury. D'accord. Avec ce changement de coéquipier, Ophélie doit retrouver ses marques. À une heure de la fin de l'épreuve, c'est une difficulté supplémentaire. De l'autre côté, Adrien reprend au pied levé les préparations lancées par Jérémy. Bon Gauthier, ça c'est bon, je me mets sur quoi? Voyons. T'as qu'à faire comme moi. Tu te mets de l'autre côté, avec la plaque qui est en surgélation. La plaque qui est en surgélation? Là. Même si ce revirement de situation est très déstabilisant, j'arrête pas ce que je fais, je continue à poser ma petite brunoise donc au fond de l'assiette où je devrais couler ma gelée. On enchaîne, on perd pas de temps. C'est bon Adrien? Ouais. Allez, vas-y, place là. Moi, je coule derrière. Là, avec moi. Mets-la au-dessus. Gauthier ajoute maintenant son eau de tomate dans laquelle il a incorporé de la gélatine. Au froid, sa préparation va se gélifier et emprisonner les petits morceaux de tomate et de fraises confites. Nickel. Ophélie, ça va comme tu veux? Ça va. Dernière ligne droite, là, je commence à envisager le dressage. Est-ce que tu vas nous sortir du Ophélie? Ouais. Faire de Ophélie, ça veut dire quelque chose de raffiné. Ouais. Du sativement, c'est toujours de la bombe en général, tout ce que tu présentes. Donc j'espère que ça sera pareil. Ah. On a hâte avec Christophe de goûter des bonnes choses. Il y a quelque chose à goûter, Ophélie? Non, je préfère vous faire goûter tout à l'heure. Il y a encore un peu de travail quand même. Voilà, il y a encore un petit peu de travail. C'est bon. Allez, fonce. 50 minutes, hein, donc ça va aller très très vite. Hein. Je pense que ça peut le faire et il faut que ça le fasse. De toute façon, j'ai pas envie de laisser passer ma place et quoi qu'il arrive, je lâche rien. Depuis le début de la compétition, le chronomètre, c'est le pire ennemi de Gauthier. Mais pour une fois, le pâtissier respecte scrupuleusement son planning, en tout cas pour l'instant. Il s'attaque maintenant à l'une de ses dernières préparations, un espuma basilic. Un petit peu de jus de citron à la fin pour voir, on va assaisonner. Jus de citron, tu veux mettre? Un tout petit peu, vraiment c'est juste pour pepser, hein. C'est rien. Ça risque peut-être de faire changer ton basilic de couleur. Je te fais confiance, non, je fais confiance à ton expérience. C'est vrai que Gauthier est assez à l'écoute de ce que je peux lui dire. Il est friand de mes petits conseils, il aime bien, donc il en prend compte et tant mieux, c'est bien. Tu veux mettre le reste de ta petite marmelade de fraises? Alors je vais doser. Dis-moi. Ça. Ouais, voilà, ça c'est bien. Et s'il faut, on en rajoute. Il y a une bonne cohésion entre moi et Adrien. On travaille en équipe, mais je fais attention à ce qu'il fait. J'ai confiance en lui, hein, c'est un grand professionnel. Mais on ne sait jamais, une erreur d'attention, et c'est moi qui vais prendre. Donc, il faut faire attention. Pardon. Ouais, comme ça, c'est pas plus. Bon, je veux les petits morceaux. Alors, Gauthier. Chef. Comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. Oui, on a déjà des choses à goûter, on a déjà... Oui, venez, je vais vous sortir. C'est vrai un... Tu vas déjà nous séduire un peu, là? Là, je crois que c'était déjà fait. Là, on a mon granité, donc il n'est pas tout à fait pris. Hein. T'as fait un petit granité? Un petit granité, tomates, un peu de zeste de citron. C'est très peu sucré. Très peu sucré. Oui, justement, les autres éléments vont apporter le sucre.
Au niveau du temps. Au niveau du timing, on est bien. Oui. On est très bien. Je trouve que tu as un excès de confiance qui me fait peur. Alors ouais, attention, d'accord, Gauthier, chef, parce que ça marche. Ouais. Ça t'a pas porté toujours. Oui. Hein, okay. C'est une place en finale, hein, Gauthier. C'est pas la première épreuve. Hein. Je sais, chef. Finale. Oui. C'est pour aller avec eux. Oui, chef. Je doute un peu de moi à ce moment-là. Il y a du challenge. J'ai besoin d'un avis et d'un haut gradé. Je demande à Adrien pour être sûr de ne pas être passé à côté de quelque chose. Tu le sens comment, toi, Adrien, le dessert? Est-ce qu'on rajoute quelque chose? Faut pas que ce soit quelque chose d'inutile. Hein. C'est compliqué. J'écoute Gauthier, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est une sorte de fil en sucre, un petit peu en torsade comme ça. Et je trouvais que c'était très très élégant, que ça apportait de la finesse, de la légèreté dans le dessert. On a le temps, on le fait. Incolore. Ça te plaît pas? Ouais, voilà, transparent. Incolore. Ouais. Il y a des casseroles en plus. Cher pâtissier, je sais que vous aimez les challenges. Je vous en ai réservé un de plus. Pour les dernières minutes de cette épreuve, vous allez, Ophélie et Gauthier, travailler seuls. Bah, si tu veux arriver à finir, hein, c'est bon. Je me retrouve seul pour les 15 dernières minutes de l'épreuve. Ça accélère forcément les choses puisque il faut que j'aille à l'essentiel. C'est à moi de tout donner sur la dernière ligne droite et de ne pas oublier un des éléments qui peut contribuer au dressage. T'éparpilles pas. Ton dessert, il est bien content. Hé hey Gauthier, vas-y, hein. Merci, Jérémy. Allez, vas-y, mon petit Gauthier. Je suis content de pouvoir dresser mon dessert tout seul. Voilà, c'est mon épreuve. C'est à moi que revient le dressage. Et je trouvais ça même logique qu'on en arrive à cette étape dans l'épreuve. Et c'est parti pour les dernières minutes de cette épreuve. Il reste maintenant moins de 10 minutes à nos deux pâtissiers pour finaliser leurs assiettes. Et Ophélie se lance à peine dans la réalisation de ses samosas avec biscuits moelleux au citron et brunoise de tomates confites. Samosa qu'elle fait revenir dans de l'huile d'olive à la vanille. Au moment du dressage, il y a la pression qui monte. C'est un peu du feeling de dernière minute, hein. C'est-à-dire qu'il faut, se lâcher un petit peu et se dire que de toute façon, on doit sortir quelque chose. Après avoir déposé ses samosas, Ophélie ajoute des disques de blanc d'œuf montés à la tomate. Je suis peut-être un peu moins précise que d'habitude, je tremble un petit peu à ce moment-là. Mais je pense que c'est un petit peu de nervosité. Là, le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pour aller en grande finale. De son côté, Gauthier joue avec le feu. Le pâtissier a décidé de dresser son dessert minute pour qu'il soit le plus frais possible et donc d'attendre le dernier moment. Ophélie et Gauthier, il vous reste 2 minutes avant la fin de l'épreuve. Oui, allez, c'est parti. Voilà, c'est parti, coup d'envoi, le client est là, on lui envoie son assiette. J'attaque le dressage aussi tard parce qu'il y a des glaces, il y a des éléments qui ne tiennent pas le coup. Et un dessert à l'assiette, c'est vivant, ça bouge, ça perd de la gueule en fonction du temps. Donc du coup, j'ai voulu avoir le meilleur résultat, donc les dernières minutes, elles sont pour moi, c'est le moment d'action, c'est le moment où il faut taper dedans. 4, 3, 2, 1, c'est terminé, on ne touche plus à rien. J'ai un petit peu de regret sur la façon d'avoir dressé mon assiette. J'espère déjà aujourd'hui que je les aurais pas déçus sur ce dessert-là, parce que j'ai l'impression qu'ils attendaient beaucoup. Rien n'est joué, mais bon, on verra. J'ai mis tous les éléments possibles. Après, je pense qu'on peut faire encore mieux, encore plus haut. Mais en tout cas, pour le peu de temps que j'ai eu pour réfléchir sur ce dessert, je suis plutôt satisfait de l'harmonie générale du dessert. Après 2h30 de travail acharné et de rebondissements permanents, nos deux pâtissiers terminent cette épreuve à bout de souffle. Mais l'essentiel reste à venir, il faut encore présenter les assiettes au jury. Nos 4 jurés vont maintenant déguster les desserts à la tomate d'Ophélie et Gauthier. 20 points sont en jeu pour chacun de nos pâtissiers sur cette première manche de leur face-à-face. L'occasion de créer un premier écart et de se rapprocher de la qualification pour la finale. Et c'est la création d'Ophélie qui ouvre la dégustation. Merci Ophélie. Mais c'est tout beau. Est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ton dessert, Ophélie? Tomate surprise. Le dessert d'Ophélie se compose de samosa garni d'un biscuit moelleux au citron et d'une brunoise de tomate confite, de blanc monté à la tomate, de mousse et de sorbet tomate et enfin de tomates caramélisées. Les samosas sont chauds, les sorbets sont froids. J'ai... Donc on n'attend pas. Non, allez-y, allez-y.
sens très tendu, Ophélie. Je suis un petit peu tendu, ouais. Je vais pas vous le cacher. Mais écoute, moi, je vais te rassurer. Enfin, en ce qui me concerne, je me suis régalé. Merci, chef. Moi, la seule chose, c'est de te montrer l'assiette. Oui. Tu sais que ça, tu sais ce que ça veut dire pour nous. Je sais ce que ça signifie, donc. Ce qui fait que c'est pas un plat et que ce soit un dessert, c'est qu'effectivement, il y a un dosage de sucre. Et le dosage des arômes qui est parfait. On retrouve toutes les saveurs de la tomate. Et rien que pour ça, c'est remarquable. Merci beaucoup. Moi, je trouve que l'idée de la samosa, telle qu'elle est, tiède, c'est juste ultra original, ultra bon. J'ai rarement mangé un truc aussi bon, d'ailleurs, dans la samosa. Vraiment, waouh, je trouve que c'est un très grand plat. Très beau dessert, superbe. Je suis plus détendue avec vos compliments et vos commentaires. Je m'y attendais pas. Sincèrement, je m'y attendais pas. Bien sûr, je suis sûr que tu es un peu comme nous. Tu vois tout de suite que ça soit mieux. Je pense que déjà là, c'est déjà très réussi. Tu peux te détendre. Pas longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu arrives dans un état de tension comme ça, alors que quand on voit le dessert qui est ici, on sent qu'il y a de l'expérience, on sent qu'il y a de la technicité, on sent quand même qu'il y a du bagage derrière. Ben moi, je vais répondre à sa place. Hein. Je pense qu'elle est... Non, mais c'est vrai. Et je pense qu'elle est juste perfectionniste. Vous connaissez depuis longtemps, comme ça, ou... Elle va avoir le sourire. Maintenant, il faut garder ce sourire, hein, parce qu'il y a une deuxième étape encore à passer. Hein. Merci beaucoup, chef. Merci, Ophélie. Merci, Ophélie. Merci. Le dessert d'Ophélie est plébiscité. C'est au tour de Gauthier de présenter son assiette au jury. Waouh. Très joli. Très, très beau. Alors, Gauthier, tu nous expliques ton dessert ? J'ai réalisé pour vous le cocktail de tomates en douceur. Gauthier propose une brunoise de tomates et gelée de tomates avec des fraises confites, une mousse légère au cream cheese, un sorbet et un granité de tomates et des bâtonnets de meringue. On va déguster puis on te pose des questions après. D'accord, oui. Parce que sinon ça fond. Avec plaisir. On va surtout faire honneur à ton dessert. Voilà. On t'a senti assez à l'aise sur cette épreuve. Gauthier détendu, calme, donc serein, tu savais où tu allais. Voilà, à l'annonce du thème, j'étais tout de suite parti dans mes idées. J'avais déjà mon dessert qui se construisait en tête. Tu as fait tout ce que tu voulais ? J'ai eu le temps de réaliser tout ce que je voulais dans ce dessert, oui. Gauthier, ce dessert, c'est frais. Il y a le goût de la tomate, c'est hyper bien travaillé. Je trouve que c'est digne d'un... Je vais piquer la phrase de Christophe, mais c'est digne d'une des plus grandes tables d'un restaurant de Paris ou même de France. Je trouve ça très, très réussi. Merci beaucoup, chef. Et moi, je dirais que si ce dessert était le dessert de la finale, tu serais le grand pâtissier qu'on recherche. Et je suis très sincère. Voilà. Je me suis régalé. C'est un dessert qui déchire, tout simplement. Merci. C'est frais, c'est bon, c'est osé. La tomate, l'eau de tomate, la fraise, tout est parfait. Au-delà de mes espérances, bravo. Merci beaucoup. Écoute, c'est difficile d'arriver après ces deux compliments, mais j'en rajouterai un troisième. J'étais un peu sceptique sur le fait de tous ces mélanges. Et bien, franchement, chapeau. Merci beaucoup, chapeau. Chef. Paris réussi. Et... Bravo. Alors, Gauthier, tu me surprends d'épreuve en épreuve. Vraiment, c'est inimaginable. C'est superbe, pas trop sucré. Je me suis dit, quand j'ai regardé ça, je dis, c'est un petit peu dommage, on n'est pas dans la pâtisserie boutique et je ne regrette en rien cela. C'est vraiment superbe. Tu as combien d'années d'expérience dans ce métier en pâtisserie ? 3,5. Parce que faire un dessert comme ça, sans le tester, et être aussi fin dans les goûts, dans le sucre, et la tomate, elle est vraiment... Merci beaucoup. Ce qui est génial, c'est que tu as compris que c'est une épreuve pour la finale. Et c'est un dessert de finale, ça. Merci. Merci, merci Gauthier. Merci à vous. Et bravo. Bravo. Merci. Notre jury a dégusté, notre jury a délibéré et surtout, notre jury vous a attribué des points sur ce dessert à base de tomates. Alors messieurs, vous pouviez attribuer jusqu'à 5 points chacun à nos pâtissiers. Et on va commencer par les points attribués à Ophélie. Philippe Uraca, vous avez l'honneur de commencer. Alors Ophélie, moi j'ai été séduit gustativement par ton dessert. Peut-être un peu moins sur le plan visuel, parce qu'on aurait pu hésiter un moment, que ce soit un plat salé. Et pour ce dessert-là, je
t'ai attribué la note de 4 points. Merci, chef. Christophe Adam. Alors moi, Ophélie, ton dessert, j'ai beaucoup aimé les saveurs. J'ai trouvé que c'était vraiment harmonieux. J'ai juste un petit regret, c'est que tu étais peut-être un peu trop tendu et que je souhaiterais que tu essayes d'enlever ça pour que ça soit encore mieux. Et pour ce dessert, je te mets 4 points aussi. Merci beaucoup. Christophe Michalak, c'est à vous. Eh bien, Ophélie, tu n'as pas à rougir de ton dessert. Il était juste merveilleux. Il était ultra bon, il était innovant. Tu sais tout le bien que je pense de toi. Eh bien, je pense que tu as réussi enfin à concrétiser ce que tu es à travers ton assiette. Je te félicite. Et pour ça, je te donne la note de 4 sur 5. Merci, chef. Pierre Marcolini, quelle est votre note ? Alors, Ophélie, tu nous as fait un dessert déstructuré, peut-être même un petit peu trop. J'avais le sentiment qu'il y avait 3 desserts, en fait. Par contre, en termes de saveur, en termes de texture, les équilibres étaient là. Pour cette assiette, je te mets 4 sur 5. Merci beaucoup. 16 points après cette première épreuve. Vous êtes contente, j'imagine, c'est une belle note. Je suis très contente, je ne m'y attendais pas forcément. C'est une belle surprise. Je suis ravie que ça ait plu ravie de cette note. J'étais pas au top, j'arrive à obtenir 16, donc je suis satisfaite parce que je m'attendais à pire. Et même si j'ai réussi à convaincre le jury, j'aurais pu faire 10 fois mieux, donc la prochaine étape, c'est hors de question que je me plante. Gauthier, nous allons découvrir ensemble maintenant le nombre de points que le jury a décidé de vous attribuer pour ce dessert à la tomate. Je commence un peu à stresser et à me demander si j'arriverai à faire mieux. Philippe, quel est le nombre de points attribués à Gauthier ? Alors Gauthier, tu nous as fait un dessert qui était, sur le plan visuel, un vrai dessert. On s'attendait à du sucré, des quenelles en finition, avec des petites meringues qui vraiment nous donnaient envie de plonger dedans. Et moi, pour ce dessert, je t'ai attribué 4,5 points. Pourquoi vous ne vouliez pas mettre 5 ? Ça aurait pu mériter un 5, mais je crois aussi qu'à travers une note, il y a un encouragement. Et que mettre un 5, ça veut dire que tout est gagné. Gauthier le sait, il y a encore du travail. Et je tenais à juste lui montrer qu'il fallait encore aller plus loin. Voilà. Merci, chef. Très bien. Christophe Adam, quelle est votre note ? Alors, Gauthier, j'ai trouvé que c'était vraiment bien joué. Pas trop de sucre, comme d'habitude. Vraiment le goût de tomate. Donc, c'était peut-être ton épreuve. Et moi, je donne 4,5. Christophe Michalak, quel est le nombre de points que vous avez attribué à Gauthier ? Alors, Gauthier, tu sais que tu es un jeune pâtissier. Que tu es en train d'évoluer jour après jour. Tu sais que tu as encore plein de choses à apprendre. Mais aujourd'hui, Gauthier, je vais te remercier parce que j'ai vécu une des plus belles émotions depuis le début de ce concours. Ton dessert m'a envoûté, m'a subjugué. Et pour cette raison, j'ose te donner la note de 5 sur 5. Bravo. 5 sur 5. Waouh, on peut pas faire mieux. Je suis content de l'avoir séduit autant que ça. J'aurais jamais imaginé au début du concours d'arriver à ce rendu et ça me touche énormément. Pierre, quels sont les points que vous avez attribués à Gauthier ? Alors Gauthier, tout était en harmonie, c'était un équilibre qui était bien, même superbe. On était vraiment dans un dessert, la tomate était au rendez-vous, un moment de voyage, de dégustation. Et aujourd'hui, pour ce travail qui a été superbe, je me lance dans une note qui est 5 sur 5. Je n'ai pas l'habitude de la donner, mais sincèrement, quand je ferme les yeux et quand je goûte ça, eh bien, je ne peux donner que 5 pour être égal avec moi-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef. Je vous sens troublé. Oui, complètement. Je suis content d'avoir en tout cas transmis beaucoup d'émotions dans mon dessert. Voilà, je voulais me faire plaisir, je voulais vous faire plaisir. Et je suis content d'avoir atteint en tout cas le but désiré. Ça m'a fait plaisir. Je pense que ce dessert, tu peux le mettre comme dessert numéro 1 signature, que tu pourrais peut-être garder sur une carte ou quand même pour très longtemps. C'est incroyable d'avoir autant séduit un jury tel que meilleur roi de France, champion du monde. J'aurais jamais pensé m'en sortir avec une note aussi haute. Gauthier, vous êtes en tête avec 19 points, Ophélie 16 points, mais rien n'est encore joué. Une deuxième épreuve vous attend avant de faire les comptes définitifs et attribuer la dernière place pour la finale. Et cette fois-ci, ce seront 40 points qui seront en jeu, donc tout reste possible. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est une très très belle surprise qui vous attend. Là, pour le coup, je ne sais pas à quoi m'attendre.
Mais une chose est sûre, c'est que mon état d'esprit, là, il est en mode guerrier et je vais me défoncer, quoi. C'est maintenant à vous de participer à notre grand jeu concours. Vous pouvez maintenant gagner un cours de pâtisserie avec Christophe Adam et participer au tirage au sort d'une somme exceptionnelle de 10 000 euros en répondant à cette question. Quel ingrédient inhabituel nos candidats doivent-ils intégrer à leur pâtisserie ? 1. La tomate ou 2. La patate douce. Envoyez vite un ou deux par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Le gagnant du cours de pâtisserie sera tiré au sort à la fin de cette émission. Bonne chance ! Attention, vous n'avez que 5 minutes pour jouer. Pour Ophélie et Gauthier, c'est l'heure de vérité. Au terme de cette nouvelle épreuve, un seul de nos deux pâtissiers se qualifiera pour la grande finale de la semaine prochaine. C'est un défi exceptionnel qui vous attend maintenant. En effet, vous allez avoir le redoutable privilège de travailler sous les yeux d'un des plus grands noms de la pâtisserie. Il a révolutionné la discipline. Sa renommée a largement dépassé nos frontières. Il est la référence. Je veux parler, bien sûr, de Pierre Hermé. Bonjour Pierre, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Bonjour. Bonjour, bonjour chef. Bonjour chef. Je suis Pierre Hermé et je suis pâtissier. C'est un métier artisanal. On peut considérer qu'il y a un travail artistique parce que c'est l'expression de ce qu'on est. L'idée d'une recette, le déclencheur, c'est un produit, mais ça peut être aussi une lecture. Il n'y a pas de règles en matière d'inspiration. Un bon gâteau, c'est un gâteau où il se passe quelque chose quand on mange, où il y a des émotions. Il y a du sucre, de l'acidité, des textures. Un bon gâteau, c'est tout ça. Pour faire un bon pâtissier, ce qui compte, c'est la passion. La passion est toujours la passion. Un bon pâtissier doit être capable de se projeter dans une association de saveurs. C'est super. Et puis d'en faire un bon gâteau. Merci, cher Pierre, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très honorés. Merci de votre invitation. Je crois que nos pâtissiers sont aussi émus et admiratifs que moi. Hein, Ophélie ? C'est de la surprise, c'est de la joie aussi, parce que je pense qu'on est ravis. On est comme des gamins, je pense, avec Gauthier. Ouais, c'est juste énorme, quoi. Waouh, c'est le parrain de la pâtisserie, c'est le Père Noël, c'est notre Père Noël à nous. Ça fait vraiment drôle de se retrouver nez à nez avec lui. Et on commence à ressentir tout l'enjeu de cette épreuve. C'est autour d'une toute nouvelle recette, imaginée par Pierre Hermé, que vous allez devoir travailler. Pierre, il s'agit de Satine. Satine, c'est l'association de trois saveurs de base, le fruit de la passion, l'orange et le cream cheese. Satine, à l'origine, c'est un gâteau qui est proche d'un cheesecake, avec une pâte sablée beurrée au fond. Ensuite, il y a un biscuit imbibé au jus de fruits de la passion. Il y a un appareil à cheesecake qui est cuit au four. Et puis par-dessus, il y a une crème au cream cheese et une marmelade d'orange par-dessus. Ça, c'est le gâteau d'origine. Ensuite, je l'ai réinterprété, l'association de saveurs, dans un certain nombre de produits. Eh bien justement, cher Pierre, je vous propose de découvrir toutes les créations autour de Satine. Sous nos yeux se dévoilent toutes les créations qu'il a pu réinterpréter. On est assez ébahis parce qu'il y a un sacré niveau et une précision derrière les réalisations. C'était vraiment magnifique ce moment. On voit tous les gâteaux qui arrivent, qui commencent à s'assembler sur le meuble. C'est des moments qu'on vit pas tous les jours. Et c'était, pour moi, c'était un moment magnifique, en tout cas de la pâtisserie. Le champ des possibles est immense. Alors concrètement, qu'allez-vous demander à nos pâtissiers aujourd'hui? Car le but n'étant pas de reproduire ce que vous avez fait, bien entendu. L'idée, c'est de faire un dessert qui serait présent dans une pâtisserie, un dessert à emporter, donc à exposer pendant quelques heures. Vous pouvez vous inspirer de ce qui a été fait, mais l'idéal, c'est que vous y apportiez votre touche personnelle, votre créativité.
L'idéal étant de rester très proche de cette association de saveurs, que c'est elle qui soit mise en valeur. Ce sont donc les trois saveurs que l'on doit retrouver, la passion, l'orange et le cream cheese. Je crois que vous voulez leur rajouter une contrainte supplémentaire, Pierre. Oui, alors j'ai pensé que c'était bien d'imaginer un petit four sucré, toujours sur le thème satine. Ouais. Alors, chers Ophélie et Gauthier, vous allez avoir 3 heures pour réaliser une réinterprétation d'un dessert à emporter de satine, ainsi qu'un petit four sucré. Les trois produits m'inspirent beaucoup. Ils sont super à travailler, plutôt intéressants. Et maintenant, ça va être à nous d'interpréter le satine, voilà, en 2014. On n'a pas eu le temps d'y réfléchir, c'est en 3 heures. Donc ça met d'autant plus de pression et ça met un peu la rage et on a envie de se battre dans cette épreuve justement pour que ça soit parfait au niveau des goûts. Au terme de ce nouveau défi, l'un d'entre vous se qualifiera pour la grande finale de la semaine prochaine. Pour l'autre, malheureusement, ce sera la fin de l'aventure. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Nous vous souhaitons bonne chance. Je pars très motivée, je pars battante. La question se pose même pas, je la veux, cette place en finale. Ça serait tellement dommage de s'arrêter là. C'est une épreuve très courte, où il faut être rapide. Et moi, le temps, c'est pas forcément mon meilleur ami. Du coup, je fais en sorte d'avoir des recettes rapides et efficaces. Peu de temps, et surtout 2 réalisations à soumettre au jury. Un entremets à partager et un petit four. Le pâtissier reste concentré et déterminé. Ça, c'est pour mon entremets. Je vais réaliser un sablé reconstitué en dessous, là-bas, c'est comme un cheesecake, avec un petit jardin d'agrumes sur le côté, une chiboust crème cheese. Une crème chiboust, c'est une crème pâtissière dans laquelle on incorpore des blancs montés dedans. Avec un biscuit imbibé à l'orange, et après, je vais le décliner en petit four. J'ai 3 points d'avance, pour moi, ça représente rien du tout, sur les 40 qui arrivent. Et donc, dans ma tête, en fait, je repars à zéro, comme s'il n'y avait pas eu d'épreuve avant, et comme si celle-ci était décisive. C'est comme ça que je vois la chose, en tout cas. C'est pas évident de ne pas faire ce qui a déjà été fait. Faut pas non plus prendre trop de risques, il faut partir sur des bases qu'on connaît et c'est pas le moment de tester des nouvelles recettes. Moi je vais partir sur une tarte qui va être déjà portionnée en fait en 8 parts égales. Partir sur cette tarte avec 8 parts prédécoupées, entre guillemets, ça se voit pas tous les jours, donc j'ai déjà voilà, peut-être ça aussi qui peut faire pencher la balance. Du coup je vais partir sur une pâte sucrée donc avec des zestes d'orange pour rappeler l'orange. Je vais partir sur une marmelade d'orange maison. J'aurai aussi un crémeux crème cheese. Et il y aura une chantilly passion donc pour amener l'acidité. Et pour le petit four sucré, du coup, je vais essayer de refaire la même chose finalement en gros gâteau et en milliardise. On ne peut pas se permettre en 3 heures de faire 2 recettes qui n'ont rien à voir avec 8 préparations dans chacune d'entre elles. Impossible. Pour gagner du temps, Gauthier aussi décide d'utiliser certaines de ses préparations pour l'entremets et les petits fours. Et pour commencer, le pâtissier se lance dans la réalisation d'un biscuit. C'est un sablé breton pour mon entremets. Je vais utiliser la même base de biscuit pour les petits fours. Donc je vais les cuire directement dans un moule. Et donc je poche l'autre partie de mon sablé breton dans les petits moules à bûche qui me serviront pour les petits fours. Je mets ça au four à cuire très doucement pour avoir un bon croustillant. Tout de suite après, je démarre mon insert de crème brûlée passion qui servira à la fois pour mon entremets et pour mes petits fours. Ça me permet de gagner du temps de croiser les recettes. C'est un crémeux très simple à base de crème cheese. J'espère avoir le temps de faire vraiment ce que je veux. J'ai 10 réalisations aujourd'hui et j'aimerais bien toutes les réaliser. Ça serait vraiment l'idéal. De son côté, Ophélie s'attaque à la réalisation d'une pâte sucrée à base de beurre, de sucre, de poudre d'amande, d'œufs et de farine, dans laquelle elle ajoute de la vanille et des zestes d'orange. La saveur de l'orange, le zeste, va commencer à pénétrer dans la pâte et ça se ressentira à la dégustation. Donc je viens détailler à l'aide de mon cercle à tarte ce grand rond que je prédécoupe en 8 parts. Donc ouais, j'ai envie de changer un peu de la tarte classique. Donc, je vais cuire ces pâtes en fait séparément, déjà portionnées en triangle. C'est la même pâte sablée que celle que j'ai utilisée pour le gros gâteau de 6-8 personnes, dont je me resserre pour la milliardise.
Je vais mettre les petits ronds de pâte sucrée sur les moules en forme de demi-sphère pour que la pâte prenne une forme incurvée. Et c'est pour leur donner une petite forme de tartelette ronde. Donc, ça évite le fonçage en fait, quoi. C'est la simplicité là pour le coup. Pour Gauthier en revanche, la simplicité n'est visiblement pas une priorité. Le biscuit qui vient de sortir du four est encore loin d'être finalisé. Je reprends mon sablé breton, je le remanipule donc pour avoir un fin sablé. Je lui incorpore du beurre pommade, une petite pointe de sel supplémentaire et tout ça je le mets au batteur. Tout ça je vais le recuire donc. Le fait de le recuire une deuxième fois, c'est l'essence même du mot biscuit. Bis de cuisson, biscuit. Voilà. Le beurre va refondre, va continuer donc la cuisson de mon biscuit et va en faire un peu comme un ciment qui se marie très très bien avec la crème cheese. Je sais ce qui marche, ce qui marche pas. Là, j'ai envie que ça soit parfait au niveau des saveurs, au niveau des assaisonnements, au niveau des goûts. Et des goûts francs et harmonieux, c'est la priorité absolue de nos deux pâtissiers aujourd'hui. Face à une référence de la discipline telle que Pierre Hermé, ils ne peuvent pas se permettre de proposer un travail approximatif. Il faut trouver l'équilibre parfait entre les trois saveurs imposées par le chef, celle de son dessert satine, le cream cheese, le fruit de la passion et l'orange. L'orange est quand même hyper importante. Je prends des oranges à jus qui me serviront à faire ma marmelade d'orange. Je viens émincer une orange, mais je la coupe très fine pour que la cuisson soit plus rapide. Je vais lui mettre un tout petit peu de sucre, la gousse de vanille, juste que ça parfume légèrement. Et je vais mettre à cuire à feu doux, en fait. Le Gauthier, voilà, il est une avance. Maintenant, rien n'est joué. Donc, je pense qu'il faut, rester confiant. Maîtriser son sujet. Je vais rien lâcher. Maintenant, il faut juste faire attention au temps qu'on a. Ophélie et Gauthier, il vous reste 2 heures pour terminer votre réinterprétation de Satine et vos petits fours sucrés. Déjà 1 heure de passé pour cette deuxième manche du face-à-face entre Gauthier et Ophélie. Au terme de cette épreuve, un seul d'entre eux sera qualifié pour la suite de la compétition. Nos pâtissiers doivent se démarquer pour séduire le jury et le chef Pierre Hermé. Je démarre ma crème cheese. Donc, moi, je l'ai un peu revue. J'ai mis donc de la crème cheese avec la pâtissière et un petit peu de beurre pour lui donner plus d'onctuosité. Je mets un peu plus de puissance dans la mousse. Pas l'ajout de sel. Chef, Gauthier, vous êtes parti sur quel type de recette ? Moi, je suis parti donc sur un entremets en bande avec une chibouste crème cheese. Donc là, c'est la fameuse chibouste. Je suis en train d'incorporer mes blancs d'œufs montés dans la pâtissière. Je peux goûter ? Allez-y, chef. Pierre Hermé, c'est une icône internationale, j'ai envie de dire. On sait qu'il a un fin palais, qu'il a goûté beaucoup de pâtisseries dans sa vie. Et j'ai pas envie de le décevoir et ça met d'autant plus de pression. Ouais. Je vous ai vu rajouter du sel. Un petit peu, oui. Ah, très bon. On sent bien le cream cheese. C'est le sel qui met le sucre sur un piédestal et là, ça se vérifie. Ça me fait très plaisir, en tout cas, sa remarque. Et ça me remet du charbon dans la locomotive, j'ai envie de dire. L'assaisonnement, c'est important. C'est important en cuisine, mais c'est important aussi en pâtisserie. Je trouve aussi, oui. C'est la petite démarcation en plus. Que tout le monde n'a pas aussi en pâtisserie, je trouve ça dommage. Et après, donc, vous allez le mouler comment ? En moule à bûche, avec donc l'insert crème brûlée. Allez, ici, vous pouvez la goûter, chef, à la base de passion et de crème cheese, encore une fois. Joli parfum de passion. Adouci par le crème cheese. Ouais. Donc, petit moment d'intimité avec Pierre Hermé. On partageait à peu près les mêmes ressentis sur la pâtisserie. Donc, j'espère marquer des points là-dessus. De son côté, Ophélie termine la préparation d'un biscuit moelleux aux amandes pour son entremets à partager. Elle enchaîne avec le crémeux de ses petits fours. Vous en êtes où ? Là, je suis en train de réaliser mon crémeux passion. Donc celui qui viendra à l'intérieur des lignardises sucrées. Je peux goûter ? Oui, je vous en prie. Mmh. On a à la fois le parfum et l'acidité du fruit de la passion. Tout à fait. Délicieux.
voilà, il est plutôt convaincu, donc voilà, ça me permet moi aussi voilà, d'être un peu positif, même si je le suis déjà, ça renforce entre guillemets ce côté-là. Ouais, je suis ravi. Je vous laisse travailler. Merci beaucoup, chef. Alors, Pierre, qu'est-ce que vous percevez de cette première partie d'épreuve? Les éléments sont encore disparates, donc c'est difficile de présager ce que ça va devenir in fine, mais une bonne approche du goût, une volonté de travailler les aspects du goût du fruit de la passion, des aspects du goût de l'orange, du cream cheese, et puis ben, de la technique, du savoir-faire, de part et d'autre. Okay. Rassuré par les premières remarques du chef, Gauthier n'est pas loin de l'excès de confiance. Le pâtissier décide de se lancer dans une préparation originale pour son entremets à partager, un élément qui risque de ne pas faire l'unanimité, un sponge cake. C'est un mélange très basique d'œuf entier, de farine, de miel et d'une pincée de poudre à lever. Et moi j'ai rajouté quelques zestes d'orange pour rappeler du coup cet aspect orange. Donc c'est un biscuit au siphon et on le vide dans les gobelets. Cuit au micro-ondes, 45 secondes. Fameux sponge cake. Un biscuit très alvéolé, très léger. Et justement, je vais l'imbiber comme une éponge. Est-ce que je vais gagner des points? Est-ce que je vais en perdre? Ça, je sais pas. Il reste à peine plus d'une heure d'épreuve. Il est grand temps pour Gauthier de commencer le montage de son entremets à partager. Le dressage commence. Il faut que ça prenne au congèle. Après avoir imbibé son sponge cake d'un jus orange passion, Gauthier le place dans sa crème au cream cheese, puis ajoute une nouvelle couche de crème. À ce niveau-là, dans ma tête, je suis plutôt dans les temps. Si Gauthier a le sentiment de maîtriser le chronomètre aujourd'hui, Ophélie, elle, est beaucoup moins sereine. La jeune femme prend du retard sur son organisation. Mais pas question pour elle de revoir ses ambitions à la baisse, en tout cas pour l'instant. Sur son biscuit moelleux, Ophélie étale sa marmelade d'orange. Donc j'ai mon cercle à tarte et j'emporte-pièce mon biscuit. Et ensuite, je viens détailler quelques suprêmes d'orange et je viens les répartir sur le biscuit. Et je viens couler en fait une gelée orange passion, donc là un petit peu pour apporter la fraîcheur. Il y a le cream cheese qui est très important, donc là je vais venir le couler par-dessus cette gelée. Ophélie doit très vite placer sa préparation au froid en espérant qu'elle se solidifie dans les temps. Gauthier, de son côté, est déjà en train de monter ses petits fours. Donc je viens positionner ma marmelade au fond de mes moules. Là-dedans, nous avons de la pâte d'écorce d'orange et du fruit de la passion frais. Donc là, je suis en train de mettre ma chantilly à la crème cheese. Et enfin, l'appareil à crème brûlée passion. Je suis resté un peu dans la même idée que mon entremets. Ce sera une variante en petit. Ophélie, Gauthier, il vous reste 30 minutes. Courage. Le temps file à toute vitesse pour nos deux pâtissiers. Et du côté d'Ophélie, la situation est de plus en plus compromise. Je me dis effectivement qu'il y a des chances que ça sorte pas. Il y a quand même une place en finale qui joue. Bah, il faut y aller, quoi. De toute façon, il faut se donner à 300%. Ophélie sort du froid sa base de biscuits moelleux, marmelade d'orange et cream cheese qu'elle insère dans une mousse vanille et orange. Le stress monte parce que voilà, on a quand même cette tarte qui à peine vient d'être mise au congèle. Il faut encore faire les petites milliardises. Gauthier, de son côté, récupère son entremets pour passer au dressage. On arrive à la fin, donc il faut commencer voilà, à se bouger et à commencer à démouler un peu tout. Donc il faut pas que je traîne. Le démoulage s'est bien passé, ça me convient. Il ne me reste plus qu'à le glacer. J'ai fait un jus d'orange qui viendra napper un premier côté de mon entremets et de l'autre avec une sorte de panna cotta. Toujours dans l'idée de gagner du temps, on essaie de faire rapide et simple. C'est un mélange de lait crème, sucre, vanille et donc gélifié. En fait, on a un rappel à l'orange et un rappel à cette cream cheese. Alors là, il nous reste, je crois, encore 19 minutes. Oui, chef. Et donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces tartelettes? Donc là, il va y avoir mon petit crème cheese. Oui. Le crème passion. Ok.
qui va venir à ras. Et ensuite, je vais venir mettre donc, le petit blanc vapeur à l'orange. Ces blancs vapeur sont donc des blancs d'œufs en neige que la jeune femme va cuire au four micro-ondes. Combien de temps ? Là, c'est même pas 10 secondes hein, pour la grosseur des moules, à peine 10 secondes. En les cuisant en fait, au micro-ondes, on va obtenir un blanc comme une île flottante, cuit à la vapeur. Il y a un vrai travail sur ce petit four parce qu'il y a 3 ou 4 préparations. Je finis la finition des petites tartelettes avec un petit peu de ma marmelade que je viens déposer avec la pointe de mon couteau, une petite feuille d'or et mes petits fours sucrés sont terminés. Bon, on a déjà ça qui est fait, mais je me dis que j'ai encore la tarte à terminer et là, c'est tendu, quoi. Et bon courage pour la dernière ligne droite. Merci. Ophélie est sur la corde raide. Gauthier, lui, est toujours dans les temps. Il récupère maintenant les éléments de ses petits fours. Là, donc, c'est votre petit four. C'est le petit four, chef. Le sablé avec la marmelade d'orange. L'aspect visuel est plutôt joli, plutôt gourmand avec cette marmelade qui brille. Je suis plutôt satisfait des petits fours. Il y a des éléments de décoration ou des éléments là-dessus, de finition qui arrivent oui, une petite feuille d'or. Allez, façon palace. En fait, il faut toujours penser que le mieux est l'ennemi du bien. Hein. Vous ne sentez pas obligé de rajouter des choses. Ce qui est important, c'est que ce soit bon. Le petit four est bon. Voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. 10 minutes seulement pour terminer votre gâteau à emporter autour de Satine ainsi que votre petit four sucré. Du côté d'Ophélie, tout est encore en chantier, mais la jeune femme ne veut pas céder à la panique. Oh, putain. C'est tendu, j'ai pas envie de pas présenter un dessert qui soit non fini et puis voilà, et puis il y a quand même une place en finale qui joue. Maintenant, je pense que quand on croit à quelque chose et quand on veut aller jusqu'au bout de ce qu'on a prévu de faire, ben voilà, on se pose plus de questions, on fonce tête baissée. Pour les finitions, je sais pas encore tout vers quoi je m'oriente. Voilà, je cours à l'épicerie. Il y a voilà, ce concentré de passion qui peut faire office de nappage, mais encore heureux. Je viens l'étaler, napper ma tarte juste sur le dessus. Qui va apporter une belle acidité. Gauthier se concentre maintenant sur la finalisation de son entremets à partager. Et pas question pour le pâtissier de bâcler le visuel de son dessert. Tous les segments que je suis en train de travailler, ça va servir pour mon petit jardin d'agrumes. Ce sera sur le côté de mon entremets principal. Dernier coup de collier très, très, très important. Il reste 2 minutes. J'ai chaud. Il faut absolument que ça dégouline pas de partout. Il me reste un peu de ma marmelade maison. Et je viens en fait masquer le bord de chaque triangle avec ma marmelade. Dans quelques instants, l'un de nos deux pâtissiers quittera définitivement le concours aux portes de la grande finale. Ophélie et Gauthier jettent leur dernière force dans la bataille. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. On ne touche plus à rien. C'est terminé, c'était chaud quoi. C'était très très chaud. Je suis fière d'avoir sorti dans les temps, deux préparations. Ça serait vraiment dommage de s'arrêter là quoi. Mon entremets, je le trouve plutôt grossier en fait. Je sais pas s'il est à la hauteur. Je croise les doigts parce que j'ai vraiment envie de continuer cette aventure. Pour nos deux pâtissiers, les jeux sont faits. Le jury va maintenant découvrir leur réinterprétation de Satine, c'est-à-dire l'association orange, fruit de la passion et cream cheese, en version entremets à partager et petit four. Chers membres du jury, je suis ravie de vous retrouver pour cette dégustation capitale, car c'est une place en finale qui se joue aujourd'hui. Nous avons un hôte de marque, Pierre Hermé. Vous ne pouvez pas malheureusement participer au vote, car vous avez assisté à la préparation de ces deux réalisations.
Allez, je vous propose de commencer par la première dégustation. Pour son petit four, Gauthier propose un biscuit sablé avec une crème chantilly au cream cheese, une crème passion et cream cheese et une marmelade d'orange. Déjà, le visuel, est-ce que ça vous plaît ? Très joli, très séduisante, on a envie de croquer tout simplement. Superbe, il y a un vrai travail technique qui a été réalisé. Le visuel prépare le palais, on sait ce qu'on va manger déjà en le voyant. La texture de la pâte sablée est parfaite. Après, il y a un goût assez confus qui mélange un peu d'orange, un peu de passion et un peu de cream cheese sans qu'on puisse vraiment les distinguer. Je rejoins Pierre, je préfère des goûts qui soient beaucoup plus francs. Ici, c'est un peu trop doux à mon goût. C'est vrai qu'on aurait peut-être souhaité qu'il y ait un peu plus de force dans la passion ou dans l'orange, mais je trouve que c'est une belle entrée en matière. Moi, je le trouve bien, voilà. Un petit four, je crois qu'il faut que ça plaise à tout le monde et je pense que ce petit four va plaire parce qu'il est justement pas trop marqué, pas trop acide. Moi, quoi qu'il en soit, j'ai eu un goût d'orange et de passion assez fort. Je trouve que il a toutes ses lettres d'omelesque. D'accord, ça, donc plutôt bien pour vous. Ouais, plutôt même très bien. Je vous propose maintenant de passer à la dégustation de l'entremets. Comme les petits fours, le gâteau à partager de Gauthier est composé d'une base de biscuits recouverte d'une crème au cream cheese et fruits de la passion, d'une crème chiboust au cream cheese, d'un sponge cake imbibé de jus d'orange et passion, et sur le côté, le pâtissier a réalisé un jardin d'agrumes. Je suis un peu moins épaté par la grosse pièce, qui manque peut-être un peu plus de finesse pour moi. Ça fait gâteau de chariot de restaurant. J'ai beaucoup de doutes sur le fait que ce gâteau puisse se conserver ne serait-ce qu'une demi-journée. On connaît les deux candidats, on sait qu'ils sont issus quand même de la pâtisserie de restauration, et le naturel revient au galop. Peut-être que le goût va remonter les choses. Honnêtement, ça se coupe plutôt pas mal. Il y a une légèreté du biscuit, c'est pas écœurant du tout, pas trop sucré. C'est très bon. Le cream cheese et l'orange sont bien présents. Je trouve intelligent l'approche. On peut composer ses cuillères, on peut composer sa dégustation. Moi aussi, j'aime beaucoup. On dit souvent, quand on est dans la pâtisserie, il faut tout manger en même temps. Là, c'est quelque chose de nouveau. C'est plutôt réussi. Alors, avec un petit manque de finesse, de finition, bien sûr. Moi, j'adore ce gâteau. Bon, c'est un gâteau qui n'est pas dans l'ADN de la pâtisserie. Enfin, c'est pas un gâteau qu'on a l'habitude de manger. Il y a un truc, quoi. Avec toutes les imperfections qu'il a, c'est un gâteau de style. Là, je suis épaté. Merci beaucoup. On va passer à la dégustation suivante. Voici les petits fours Îles Insolites. Les petits fours d'Ophélie sont constitués d'une pâte sucrée à l'orange, d'un crémeux cream cheese et d'un crémeux passion, de blanc de vapeur à l'orange et d'une pointe de marmelade d'orange. Et ça met en appétit, je trouve. C'est vrai que c'est léger, on a envie de le prendre. C'est carrément de la bombe. Hein. Super bon, non? Je trouve ça agréable, ça amène une note de légèreté avec de la fraîcheur de saut. Avec le goût de l'orange qui arrive en finale, c'est bon. Très bel équilibre, fruit de la passion très marqué, j'adore. Je regrette parce que je pensais qu'il en restait encore un. Non, j'ai mangé le deuxième en fait. J'ai pas voulu dénoncer. Alors, je me suis permis d'en goûter deux, parce que la première bouchée était intéressante, mais j'étais un peu déçu. Et à la seconde, finalement, les goûts se sont bien mélangés. Ça reste quand même un très très bon petit four. Les goûts sont là, mais c'est la texture du blanc d'œuf, moi, qui me gêne. Mais c'est plutôt perso. Je vous propose de passer à la dégustation du gâteau à emporter. L'entremets d'Ophélie reprend l'essentiel des éléments de son petit four. Pâte sucrée à l'orange, crémeux passion, crémeux cream cheese, blanc de vapeur, marmelade et gelée d'orange. Un dessert qui est pré-coupé, donc c'est assez inhabituel. Ça manquerait peut-être un peu de gourmandise, c'est simplissime. Ça fait penser un peu aux gâteaux qu'on peut trouver en Autriche. Ces gâteaux sont pré-découpés. Je suis pas fan. Je suis un peu déçu sur la façon dont tu as fini le glaçage. C'est un peu léger. En termes de finition. C'est pas gourmand. Cette impression que le gâteau va manquer de caractère. On s'attend à quelque chose qui risque d'être plat. On va peut-être être très surpris. Les goûts sont francs, sont nets. Il y a un bel équilibre. On y retourne volontiers. Et pour moi, c'est l'essentiel de la pâtisserie. Je retrouve bien le fruit de la passion, l'orange et le cream cheese. C'est bien fait, c'est bon. Le bémol, c'est la pâte sablée. On aurait un croquant qui serait un petit peu plus long en bouche. On l'a pas, là.
C'est dommage que le visuel ne suit pas, parce que gustativement, c'est un excellent gâteau. Un excellent gâteau. Très très simple, mais c'est très très bon. Donc ça va être un gros problème à noter. Un vrai suspense donc pour cette troisième place, pour la finale de qui sera le prochain grand pâtissier. Messieurs, je préfère être à ma place qu'à la vôtre. C'est dur de les départager. Pas facile. Alors... Ophélie et Gauthier, c'est le moment de découvrir lequel de vous deux rejoindra Jérémy et Adrien pour la grande finale de la semaine prochaine. Le jury a dégusté vos réalisations à l'aveugle, donc vous ne savez pas qui a fait quoi aujourd'hui. Pierre, j'imagine qu'avant d'annoncer le résultat, vous voulez dire un petit mot à nos pâtissiers. Je voudrais les féliciter pour la qualité du travail, la passion qu'ils mettent dans leur travail. Ils m'ont impressionné dans le sens où ils ont, en très peu de temps, trouvé les idées et fait les préparations pour lesquelles ils nous ont étonnés. Après la première épreuve, Ophélie, vous avez 16 points et Gauthier, 19. Je pense que Gauthier est aussi fébrile que moi à ce moment-là et même s'il a cette avance, on a hâte aussi de découvrir leur verdict et ce qu'ils en pensent. Alors je vais commencer par parler au pâtissier qui a réalisé le petit four légèreté intrépide et l'entremets singularité. C'est moi, chef. Alors Gauthier, le petit four, c'est-à-dire qu'il y avait un bon biscuit, la mousse était très onctueuse, l'association qui avait été demandée était peut-être un peu trop légère, mais en tout cas on s'est retrouvé avec un beau petit four, mais peut-être un peu simple. D'accord. Pour l'entremets, il y avait des textures assez sympas. Le biscuit est réussi. Ensuite, ce qui se passe, c'est que sur la finition et puis sur la netteté de ton gâteau, c'est vrai qu'il y avait un manqué de finesse. Et donc, aujourd'hui, je te donne 6 points sur 10. Merci, chef. Alors, Ophélie, j'ai pas trop aimé le petit four. Mais par contre, il y avait un travail, un gros travail. Il y avait plein de textures. Un petit souci sur le blanc d'œuf, mais c'est personnel, donc j'ai vraiment pris le travail en conséquence. Ensuite, sur le gâteau, j'ai trouvé très sympa de le découper comme ça, c'était quelque chose de nouveau, ça pouvait faire très simple, mais j'ai trouvé qu'en termes de dégustation, j'ai mangé toute la part, ce qui est quand même c'est très rare. C'était un record. Ce qui est un record. Et du coup, aujourd'hui, moi je te donne 8 points sur 10. L'écart se resserre considérablement puisque le premier chef me fait rattraper 2 points. En règle générale, je trouve que vos petits fours étaient vraiment très bien, l'un comme l'autre. Ça se mangeait en une bouchée, c'était élégant. Après, dans le gâteau, visuellement un peu déçu. Par contre, au niveau dégustation, ça a été la vraie bonne chose. C'était pour moi vraiment très prometteur. Si je prends ton cas, Gauthier, cette crème m'a intrigué. Pierre m'a dit que c'était finalement une chibousse, donc j'ai trouvé ça culotté, parce qu'une crème chibousse, on s'en sert très peu. Ophélie, quant à toi, ton gâteau était pas aussi joli que toi, finalement. Par contre, gustativement, lorsque j'ai goûté ce gâteau, j'avais l'impression de goûter ce qu'est le satin pour Pierre Armé. Juste pour ça, je voulais te féliciter. Et j'ai beaucoup de mal à vous départager, c'est pour ça que j'ai pris la décision de vous donner la note 7 pour Gauthier et 7 pour Ophélie. Merci, chef. Là, il y a un petit espoir qui commence à émerger. Peut-être que ça va augmenter, peut-être que les prochains vont faire égalité. On espère. Pierre Marcolini. Alors, je vais commencer par toi, Gauthier. Oui. À la fois le petit four plein d'élégance, le dosage au niveau du sucre, comme tu sais le faire, c'est-à-dire pas trop. Un petit peu doux, ça manquait un petit peu de cette franchise du goût. Au niveau de l'entremets, l'espèce de salade de fruits que tu as réalisée, la présentation, était un petit peu brouillon. Ça manquait un tout petit peu de puissance aromatique. Mais par contre, une légèreté incroyable. Je t'ai mis 7 sur 10. Merci, chef. À ce moment-là, tout reste encore possible. Alors, Ophélie, les petits fours, énormément de charme. On avait un côté gourmand. Il y avait une netteté dans le goût qui était extraordinaire. La deuxième chose, au niveau de l'entremets, j'avais l'impression qu'il y avait peut-être un manque de temps sur la finition.
au niveau de la dégustation, je ferme les yeux et je me retrouve dans ce que Pierre avait demandé. On avait envie d'en reprendre et je t'ai mis la note de 8 sur 10. Merci, chef. Donc, Ophélie, Gauthier, vous arrivez à égalité avec 39 points chacun. On se retrouve en face à face avec une égalité de points, donc c'est juste hyper dur et hyper lourd à encaisser. Voilà, maintenant il n'y a plus 3 points d'avance, il n'y a plus rien. Déjà à cette épreuve, il n'y a pas de fil de sécurité, mais là, il n'y a plus rien du tout. Il reste un dernier juré, Philippe Uraca. Vous savez, là, c'est moi qui ai la pression en ce moment, parce qu'il faut que j'annonce un résultat qui va faire tout basculer. Je vais parler des gâteaux de Gauthier. J'ai été séduit par le petit four. La pâte était bien cuite, c'était bon, c'était agréable en bouche. Sur l'entremets, peut-être ce qui a manqué, Gauthier, c'est un petit peu de finesse. Donc, pour l'ensemble de ton travail, moi, je t'ai mis 7 points. Merci, chef. On est à ça de la fin et ça serait dommage de s'arrêter devant le podium. Alors, Ophélie, maintenant, une tartelette super, de la finesse. Un gâteau peut-être pas fini, mais on vous le disait à chaque épreuve, il faut assurer et présenter le gâteau, donc il manquait peut-être du décor. Mais c'était beau. C'est clair que cette place en finale, je la veux. Je me vois pas finir autrement, et puis surtout sur cette épreuve-là où on est aux portes de la finale. Je suis à doigt, je suis devant le podium et je suis là en train de caresser la première marche et d'essayer de l'atteindre. J'espère y arriver. Donc pour ton travail, moi je t'ai mis 8 points. 46 points pour vous, Gauthier. 47 pour vous, Ophélie. Bravo, Ophélie. Merci. Vous êtes qualifiée pour la grande finale de la semaine prochaine. Je suis en finale, je vais rejoindre Adrien et Jérémy, donc c'est top, quoi. Je réalise petit à petit, mais une chose est sûre, c'est que je vais tracer mon chemin. Mais je pense plus qu'à 200%, je pense que je vais aller à 800%. Malheureusement, Gauthier, l'aventure s'arrête aujourd'hui, mais je crois que les jurés seront d'accord avec moi et Pierre Hermé également pour dire que vous avez fait une très belle épreuve et un très beau parcours dans ce concours. Bravo à vous. J'ai été séduit par son envie, par sa passion, par son discernement. Je ne peux que vous encourager pour votre carrière, qui, je t'assure, ça sera énorme. Merci. Bravo. Merci beaucoup, chef. J'ai passé des moments exceptionnels avec vous. J'ai écouté tous vos conseils. Je rêvais de vous approcher. Ça y est, c'est fait. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je voulais remercier pour tout ce que vous m'avez apporté. J'ai grandi grâce à ce concours. Je le ressens. Et voilà, ça ne fait que commencer. Et j'espère bien qu'on se reverra. Merci, Gauthier. Merci beaucoup. Ophélie. Merci. Bon courage. Amuse-toi bien. Ouais. Et voilà, c'est fini. Ça s'arrête là. Ça va être dur. À bientôt. Merci, ouais. À bientôt. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Je sais. Tu vas voir ton chef. Tiens. Oh, je le mérite. Allez. Jérémy et Adrien, vous pouvez retrouver Ophélie, qui sera troisième finaliste pour la semaine prochaine. Pierre Hermé, mille merci d'avoir été avec nous pour cette redoutable épreuve. C'était un honneur pour nous. Merci d'avoir partagé votre passion de la pâtisserie avec nos pâtissiers, bien sûr, et avec nous tous ici. Merci de votre invitation. Ophélie, Jérémy, Adrien, vous n'êtes plus que trois à prétendre au titre de prochain grand pâtissier. Bravo! Mais le chemin jusqu'à la victoire finale est encore long. Alors, qui sera capable de relever les défis imaginés par notre jury? Qui remportera la deuxième édition de Qui sera le prochain grand pâtissier? Rendez-vous la semaine prochaine. Pour
Pour nos trois pâtissiers, le chemin vers la victoire finale sera semé d'embûches. J'ai plus le droit à de la casse, j'ai plus le droit à l'erreur. Les trois candidats seront confrontés à des défis de haute volée. Il faudra d'abord réinterpréter un des plus célèbres classiques de la pâtisserie française. Le fameux Paris-Brest. Ça va pas être possible, je crois. Et l'enjeu sera à la hauteur de cette épreuve exceptionnelle. Ça peut chaler, hein. En effet, le meilleur candidat verra sa création mise à la vente dans tous les trains à grande vitesse de France pendant l'été. Ça donne envie, en tout cas. Il y a une élégance, premier Paris-Brest que je vois comme ça. C'est un excellent dessert. Pour le moins convaincant, en revanche, l'aventure s'arrêtera là. Enfin, les finalistes devront également surmonter toutes les difficultés d'une épreuve hors norme, la réalisation d'un buffet de prestige en l'honneur des plus grands noms de la discipline. Merci à tous d'être là. Une épreuve au cours de laquelle les anciens candidats devront aussi mettre la main à la pâte. Ophélie, Adrien, Jérémy, un seul sera désigné comme le prochain grand pâtissier. Voici les noms des heureux gagnants de notre robot pâtissier et du cours de pâtisserie avec Christophe Adam. À la semaine prochaine.